Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Chante, alléluia. Alléluia.
Nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Mon seul désir. Oui, c'est mon désir. De te servir. De te servir. De nourrir de ta loi. Shalom, bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom, la grande famille, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, de partout où vous êtes, que la paix, l'amour de Dieu vous soit
accordé ce matin. Soyez bénis ce matin. Mimi Lucia, sois bénie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, shalom à vous, shalom à toute la famille. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin encore. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur, car il nous a permis que nous puissions encore bénéficier encore une nouvelle opportunité, une nouvelle grâce, une nouvelle matinée. Alors nous tous ensemble, nous voulons glorifier le Seigneur, nous voulons lui rendre hommage, nous voulons dire que l'Éternel est bon, nous voulons dire que sa fidélité durera toujours. Alléluia. La Bible déclare, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Amen. Nous sommes ensemble pour glorifier le Seigneur. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour glorifier le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tous élever nos voix selon la parole de Dieu dans Psaume 111, au verset 1er. Il dit simplement, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Alors, tous ensemble, nous voulons élever nos voix pour remercier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te sommes reconnaissants ce matin. Le fait que Seigneur, oh Dieu, nous sommes là, Père, nous voyons ton amour, nous voyons ta richesse, nous voyons ta bienveillance, nous voyons ta compassion, nous voyons que tu es fidèle. Père éternel, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous donnes, cette faveur d'être dans cette journée nouvelle, d'être Seigneur de gloire, Père, devant ta face. Louange et honneur à toi ce matin. Merci pour le privilège, merci pour cette faveur, Seigneur Dieu immérité, que nous n'avons pas mérité, que nous n'avons même pas donné un sou, que nous n'avons même pas payé, que nous n'avons même pas négocié pour que nous puissions rentrer dans cette journée. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour cette journée, Seigneur, où tu veux, Seigneur, nous bénir. Dans cette journée où tu as déjà tout tracé, afin que nous puissions mériter, bénéficier, ô Père éternel, ta bonté. Louange et honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta vie, merci pour ton bonheur, merci pour ta paix, merci pour ta joie. Tendre Père, ma prière est que ce matin, Seigneur, alors que nous tournons le regard sur toi, nous voulons que nos visages soient rayonnants de joie. Nous voulons que nos visages soient, Seigneur, impactés par la splendeur de ta gloire. Nous voulons que nos visages, Seigneur, soient, ô Dieu de gloire, éclairés par ta lumière. Ô notre Père, nous voici devant toi, toi qui es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alors nous voulons ce matin, Seigneur, te dire merci encore pour cette richesse, merci encore pour cette bonté, merci encore pour cette compassion dans nos vies, merci encore, Seigneur, ô Dieu, de tout ce que tu fais. Louange et honneur à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que tu nous assistes par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide. Nos paroles, nos mots, nos mouvements, Seigneur, notre conscience, notre état d'âme, l'Esprit de Dieu prend le contrôle en ce moment. L'Esprit de Dieu veille dans notre journée. Le Saint-Esprit agit ce matin parce que nous voulons que tu domines, car l'heure a sonné où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons si prié et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur et bienvenue à vous dans ce temps merveilleux, dans ce temps où nous cherchons la face de Dieu, dans ce temps où nous disons dévançons l'aurore, où nous voulons que notre journée soit conduite par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours laisser Dieu travailler nos cœurs. Nous devons toujours laisser Dieu nous conduire, car c'est lui qui connaît le nombre de nos cheveux, c'est lui qui connaît notre destinée. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à l'honneur du Tout-Puissant ce matin? Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur des armées. Nous glorifions le Seigneur, le roi de gloire, le Tout-Puissant, le Maître, le bénézer de nos vies.
gloire à lui, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons encore dire alléluia à Dieu que nous sommes là. Nous sommes là devant sa présence. Nous sommes là malgré nos petitesses, malgré nos fautes, malgré nos manquements, bien-aimés. Nous allons dire à Dieu que nous sommes là. Alléluia. Que nous sommes là devant sa présence. Que nous sommes là devant son amour. Que nous sommes là devant son trône de gloire. Alors, frères et sœurs, dans Ésaïe 55, au verset 1er, la Bible déclare, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin encore, bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, nous avons le privilège de bénéficier une gratuité, oh alléluia, venant de Dieu. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités pour que nous puissions manger, pour que nous puissions boire, pour que nous puissions acheter, pour que nous puissions bénéficier de l'eau, alléluia, de Dieu, le lot de vie. Amen. Alors tous ensemble, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu parce qu'à savoir ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dans Psaume chapitre 111 au verset 10, la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons demander pardon à Dieu. Nous voulons demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas avoir confiance de ce corps adamique. Il ne faut pas avoir confiance, bien-aimés dans le Seigneur, de tes yeux. Il ne faut pas avoir confiance, bien-aimés dans le Seigneur, de ton aperçu. Alors tu dois demander, nous allons demander pardon à Dieu. Il est juste et fidèle pour nous le pardonner si nous demandons alléluia faveur, si nous demandons pardon. Dorénavant, il nous appelle, il dit venez, même vous qui n'avez pas d'argent, même vous qui avez soif, venez aux eaux. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur, demandons pardon pour nos péchés, demandons pardon pour nos fautes, nos petitesses, nos légèretés, nos manquements. Bien-aimé dans le Seigneur, que sais-je? Toi-même, tu connais ta vie. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité de Dieu ne sera point à nous. Mais humilions-nous sous la main puissante de Dieu, afin que nous soyons élevés au temps convenable. Afin que nous soyons secourus, alléluia, dans nos fautes, dans nos besoins. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, si nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, c'est pour te dire que, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, la sainteté. Nous voulons vivre la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Mais, Seigneur, comment nous allons le vivre? C'est pour cela que nous venons devant toi pour étaler notre Seigneur de gloire cœur. Étaler, Seigneur de gloire, nos faiblesses devant toi, Seigneur. Oui, nous sommes faibles, Seigneur. Oh Dieu de gloire, pardonne-nous ce matin. Toi qui dis, Seigneur de gloire, Père, que nous puissions te chercher pendant que tu te trouves, que nous puissions t'invoquer tandis que tu es prêt. Oui, Seigneur, tu es prêt pour nous pardonner. Tu es prêt, Seigneur, pour effacer nos péchés. Tu es prêt pour avoir compassion de nous. Voilà pourquoi nous disons oui, Seigneur, nous sommes là, Seigneur de gloire, Père, dans aux eaux. Nous sommes là, Seigneur, dans la source intarissable. Nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu nous pardonnes. Pardonne-nous nos faiblesses, pardonne-nous nos maladresses, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, nos fautes. Oui, Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est parce que nous voulons être agréables. Si nous sommes là, Seigneur, parce que nous sommes malades. Si nous sommes là, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, car besoin de toi n'est pas encore, Seigneur, fini. Besoin de toi ne finira jamais, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous venons devant ta présence pour dire, Seigneur, oh Dieu, nous venons aux eaux. Nous acceptons, Seigneur, de gloire, ton invitation.
invitation. Nous acceptons, Seigneur, de voir ton appel en disant, Seigneur, oh Dieu, nous voici. Nous qui avons soif, oh, nous voici. Nous qui avons, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, besoin de toi, besoin de boire du lait, besoin de boire, Seigneur, oh Dieu de gloire, de l'eau, besoin d'acheter à manger sans pourtant payer de l'argent. Ce matin, Seigneur, vois nos cœurs, vois nos vies ce matin. Ne nous laisse pas dans le péché. Ne nous laisse pas, Seigneur, oh Dieu, dans cet état diabolique et satanique. Ne nous laisse pas dans l'état, Seigneur, de l'ennemi. Ne nous laisse pas, Seigneur, de gloire, Père, dans les choses de l'ennemi. Ne nous laisse pas, Seigneur, être, Seigneur, de gloire, Père, la proie de l'ennemi. Voilà pourquoi ce matin, nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos petitesses, pardonne-nous nos transgressions. Oh Dieu de gloire, nous voici devant toi, Seigneur, toi qui essuies les larmes, Seigneur, de tes enfants. Nous voici devant toi, Seigneur. Tourne le regard vers nous, Seigneur, afin que nous soyons secourus. Oh Dieu de gloire, ne me laisse pas, Seigneur, tel que je suis. Oh, bien au contraire, tiens-moi dans tes bras. Essuie mes larmes ce matin. Essuie nos larmes, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne les fautes de mes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Pardonne ma famille. Pardonne, Seigneur, ma maison. Pardonne mon état, Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, que tu me pardonnes. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, parce que, Seigneur, je ne sais pas, Seigneur de gloire, Père, s'exprimer. Je ne sais pas parler, Seigneur de gloire. Je ne sais pas utiliser les mots. Je ne sais pas, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, marcher convenable à toi. Je ne sais pas, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, vivre, Seigneur de gloire, la sainteté. Je ne sais pas, Seigneur, oh Dieu, je te prie de me pardonner. Pardonne mon cœur, pardonne ma vie, Seigneur. Oh Dieu, ne me laisse pas dans le péché, mais Seigneur, délivre-moi du péché. Enlève le péché à moi, enlève les fautes à moi, enlève le crime à moi, enlève, Seigneur, les ordures à moi, enlève la poubelle, la saleté, enlève le microbe, Seigneur, enlève, Seigneur, les transgressions. Je te prie ce matin, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si mon peuple circuit est invoqué, mon nom s'humilie et prise, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, me voici, Seigneur. Je viens, Seigneur de gloire, pour étaler, Seigneur, mon état. Je ne suis pas agréable, mais ce que je veux, Seigneur, être agréable à toi. Ce que je veux, Seigneur, être fidèle à toi. Ce que je veux être saint devant toi. Ce que je veux être propre à toi. Ce que je veux, Seigneur de gloire, d'être, Seigneur, convenable, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je veux bénéficier, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, d'un état de faveur. Je ne veux bénéficier, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, l'eau de faveur ce matin. Je vais bénéficier, Seigneur de gloire, Père, la douche de faveur ce matin. Oh Dieu de gloire, oh, je te prie ce matin, pardonne mon cœur, pardonne ma famille, pardonne ton église, pardonne ta nation, Seigneur, que tu as choisi ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore demander ce matin la purification dans notre vie, la purification de nos âmes, la purification de notre état d'âme. Bien-aimés, frères et sœurs, il nous faut que nous soyons purifiés par le sang de Jésus. Il faut que nous soyons lavés par le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alors ce matin, bien-aimés, frères et sœurs, nous voulons encore demander son amour, nous voulons encore demander sa bonté dans notre vie. Frères et sœurs, si nous avons le péché à nous, alors bien-aimés dans le Seigneur, cela va empêcher l'exaucement de Dieu. Cela va empêcher la main de Dieu sur nous. Selon Ésaïe chapitre 1er, amen, chapitre 1er au verset 16, la Bible déclare ceci, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire du mal. »
En d'autres termes, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons demander la purification. Nous devons demander le sang de l'agneau. Nous devons demander la sainteté dans notre vie. Alors, pour que nous soyons saints, il nous faut le sang précieux de Jésus. Il dit, venons, plaidons ensemble. Alléluia. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, commencez à demander à Dieu de purifier ton cœur, de purifier ton âme, de purifier ta vie ce matin, de te nettoyer par le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Sans l'effusion du sang, nous connaissons ces versets, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché selon Hébreux 9 au verset 22. Alors tous ensemble, commencez à demander la purification. Lavons-nous, bien-aimé dans le Seigneur, par le sang qui est disponible, le sang de Christ qui crie mieux que celui d'Abel. Élevons nos voix. Ce matin, notre Dieu, ce matin, le roi des gloires, ce matin, Jésus-Christ, nous voici devant toi ce matin. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit aussi longtemps que nous ne sommes pas lavés. Nous ne pouvons pas, Seigneur de gloire, Père, faire quoi que ce soit aussi longtemps que nous sommes encore sales. Oh, ce matin, nous voici devant toi. Nous voulons que, Seigneur, oh Dieu, la méchanceté puisse être ôtée dans nos vies. Seigneur, oh Dieu, nous voulons que la saleté puisse quitter nos vies. Nous voulons que les ordures puissent quitter nos cœurs. Oh, Dieu de gloire, nous venons devant toi ce matin pour dire, nous ne voulons pas garder nos péchés. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, perdre le péché dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, nous venons devant toi ce matin pour que nous soyons plus blanc que la neige. En d'autres termes, pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons purifiés. Alors c'est toi qui purifie, c'est toi qui nettoie, c'est toi qui pardonne, c'est toi qui enlève le péché par le sang de Christ et Jésus. Nous voulons ce matin que nous soyons lavés. Nous voulons ce matin que nous soyons purifiés. Nous voulons ce matin que nous soyons sanctifiés par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau nous lave ce matin. Que le sang de l'agneau nous purifie ce matin. Que le sang de l'agneau nous nettoie corps et âme, esprit. Que le sang de l'agneau puisse nous régénérer. Oui, ce matin, nous voulons la pluie du sang de l'agneau. Nous voulons, oh, le sang précieux de nous nettoyer, d'ôter le péché, d'ôter la méchanceté de nos cœurs, de nos actions. Nous te prions ce matin. Nous ne voulons pas rester sales. Nous ne voulons pas rester bloqués, mais nous voulons être débloqués, Seigneur de gloire, dans toute situation. Voilà pourquoi ce matin, nous disons, Seigneur oh Dieu, lave-nous par le sang de Christ, le sang de Christ, que nous soyons lavés ce matin et que nos péchés soient maintenant effacés et que nos péchés soient maintenant écartés et que nos péchés soient maintenant, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, dilué, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau ce matin nous purifie, afin que nous soyons plus blancs que la neige, afin que nous soyons ce matin agréables à toi. Viens enlever la poutre dans nos yeux, viens enlever maintenant le paille dans nos yeux ce matin. Que le sang de l'agneau nous régénère, le sang de l'agneau nous purifie, que le sang de l'agneau nous lave ce matin. Purifie nos cœurs, purifie nos vies ce matin. Oh, nous savons ce matin, c'est le sang de l'agneau qui est disponible. Nous voulons ce matin plonger dans ce sang précieux et que le sang de l'agneau soit une piscine ce matin, afin que le péché soit ôté, afin que le péché soit écarté dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre système de pensée, dans notre savoir, dans notre connaissance, dans notre expression, dans notre langage. Oh, ce matin, Seigneur, oh Dieu, je ne sais pas, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, si ton sang ne me lave pas, que serais-je, que deviendrais-je, que ferais-je? Ce matin, je veux que je sois lavé, que ma famille soit lavée, ma maison soit lavée, ton peuple soit lavé ce matin. Lave nos cœurs, lave nos vies ce matin, Seigneur, par le sang de Jésus.
Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Oh, la Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Nous vous avons besoin de ce sang miraculeux, de ce sang qui nettoie le péché, de ce sang qui nettoie, c'est ce sang qui nettoie le péché. Nettoie nos cœurs, nettoie nos crimes ce matin, afin que nous puissions bénéficier de ta gloire. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms de Jésus, car la Bible déclare, oh, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous ne voulons pas que l'âme pêche, nous ne voulons pas demeurer dans le péché, mais nous voulons bénéficier ce matin le sang de Christ, le sang qui parle à notre faveur, le sang qui parle à notre faveur, le sang qui pardonne, le sang qui enlève, le sang qui nettoie, le sang qui donne même le dégoût du péché dans notre cœur, le sang qui enlève les mauvaises envies, le sang qui enlève les mauvaises choses dans notre vie. Oh, le sang de l'agneau, commence à laver, commence à purifier ce matin. Purifie ma bouche, purifie mon être, purifie mon corps, purifie mon sang, purifie mon esprit, purifie-moi ce matin, afin que je sois bénéficiaire du sang précieux de Jésus. Et cela dans les noms de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit honoré ce matin. Que le nom du Seigneur soit exalté. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons le privilège encore. Nous avons le privilège parce que nous avons notre consolateur. Le consolateur est déjà là. Amen. Le consolateur est déjà là. Dans Ésaïe 11, la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le consolateur. Le consolateur, c'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel qui est le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu auras la crainte de l'Éternel. Oh, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien-aimés, frères et sœurs, tous ensemble, tu vas encore demander au Saint-Esprit d'alimenter ton âme, d'alimenter ton esprit, d'alimenter encore la puissance de la connaissance dans ta vie. Tu vas simplement dire, Saint-Esprit, alimente-moi ce matin, alimente mon esprit, alimente mon corps, alimente mon cœur, alimente mon âme par ton esprit. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi ce matin. Nous voulons que nos vies soient alimentées par ton esprit. Oh, que nous soyons alimentés par la sagesse. Que nous soyons alimentés par l'intelligence. Que nous soyons alimentés par l'esprit des conseils. Que nous soyons alimentés par ta force ce matin. Que nous soyons alimentés par la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Oh, ce matin, que nous soyons alimentés par la connaissance de l'Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui ramènes la révélation, donne-nous ta révélation ce matin. Oh, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien, absolument rien. Saint-Esprit, c'est toi qui ramènes la révélation. Saint-Esprit, alimente mon corps, alimente mon esprit, alimente mon état spirituel, alimente mon état, oh, physique, et que le péché ne soit pas camarade de ma vie, au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu commence à alimenter ma bouche. Alimente ma bouche par des paroles d'amour, par des paroles de paix, par des paroles de joie, par des paroles de douceur, dans le nom de Jésus. Alimente mon cœur, oh, par des pensées de Dieu, par des pensées de Dieu, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens alimenter maintenant, viens alimenter mon cœur, viens alimenter mon être, alimente-moi ce matin
par la connaissance du Tout-Puissant. Saint-Esprit, alimente-moi ce matin. Alimente mon être ce matin. Alimente mon corps ce matin. En fait que mon corps soit le temple de Dieu. En fait que mon corps soit la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. En fait que mon corps soit le tabernacle de Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, viens m'alimenter ce matin. Viens, alimente-moi ce matin par l'esprit de conseil, par l'esprit de joie, par l'esprit de force, au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, alimente-moi ce matin. Lorsque tu m'alimentes, tu es en train d'augmenter, augmenter la force de la sainteté, la capacité de pouvoir aller de l'avant, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, assieds-toi dans mon cœur. Saint-Esprit, manage mon cœur. Saint-Esprit, oh, vivifie mon cœur. Saint-Esprit, viens ce matin. Oh, que mon corps, que mon âme, que mon esprit soit dans la symbiose de l'esprit. Dans le nom de Jésus, nous t'avons si prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans nos vies. Saint-Esprit, merci pour ta force ce matin. Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants parce que tu es notre consolateur. Le consolateur qui est dans notre cœur. Le consolateur qui est à l'intérieur de nos vies. Alléluia, au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur que notre vie soit transformée. Que ta vie soit transformée, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, tu dois toujours demander que ta vie soit transformée. Et cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même puisse travailler ton cœur, que Dieu lui-même puisse travailler ta vie, que Dieu lui-même puisse habiter en toi. Amen. La vie de la transformation, frères et sœurs. Que tu sois transformé, que tu sois transformé, que tu ne puisses pas injurier les gens, que tu puisses pas avoir la colère, que tu puisses pas avoir la médisance, que tu puisses pas avoir les envies du monde, mais que tu sois transformé, que tu sois renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons lire un passage merveilleux par après. Nous allons prier là-dessus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons tous prendre nos Bibles dans le livre de Évangile, hein, Évangile de Jean, chapitre 2, alléluia, au verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus, Jean chapitre 2, au verset 1er jusqu'au verset 8. La parole de Dieu déclare ceci. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'a-t-il entre moi et toi ? « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ses vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas, et ils en portèrent. Parole du Seigneur. On s'arrête là. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'histoire où la fête de Cana
Alléluia, que Jésus-Christ était invité. Jésus-Christ était invité dans cette fête de mariage, si on peut le dire comme ça. Et c'était le premier miracle de Jésus lorsqu'il était invité. Il a fait ce miracle de transformer l'eau en vin. Il lui dit simplement, remplissez ces vases d'eau. Et lorsqu'ils ont rempli ces vases, ils ont ramené dans la salle de fête et l'eau devint maintenant du vin. Amen. Et nous connaissons l'histoire que l'ordinateur, quand il a vu comme ça, il dit, mais pourquoi vous avez gardé de bon vin bien avant? Fallait nous donner avant le bon vin. Vous donnez maintenant le bon vin après. Donc, pour dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu une transformation. La transformation, bien-aimé dans le Seigneur. La fête, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que et le vin ayant manqué, c'est-à-dire le vin manqua dans cette fête-là. Il n'y en avait plus. Et maintenant, Jésus-Christ va créer un miracle. Jésus-Christ va prier. Jésus-Christ va ordonner de remplir ses vases. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Jésus-Christ veut remplir ton cœur. Jésus-Christ veut remplir ta vie. Jésus-Christ peut remplir ton foyer. Comment il va remplir ton foyer? Il te donne simplement une parole. Il te donne une parole. Il te donne un ordre pour que tu puisses comprendre que c'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut transformer ta journée. Peut-être tu as pleuré. Peut-être tu passes des moments difficiles. Peut-être tu passes aussi des moments de joie. Il y a aussi des moments de joie. Mais Dieu veut changer la donne. Dieu veut donner sa joie à lui. Parce que la joie du monde est éphémère. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la fête a changé la dimension. La dimension de fête a été changée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le bon vin qui était arrivé, le bon vin qui était rentré dans la fête. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, Dieu veut ramener sa vie dans ta vie. Dieu veut ramener le sourire dans ta vie. Dieu veut ramener le bonheur dans ta vie. Dieu veut ramener la richesse dans ta vie. Dieu veut ramener la guérison dans ta vie. Dieu veut ramener, oh bien-aimé dans le Seigneur, la bonne santé dans ta vie. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si tu crois en Dieu, si tu crois à sa parole, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, tu verras le miracle dans ta vie. Il dit simplement, remplissez ces vases d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas commencé à dire, mais Seigneur, où est-ce qu'on va trouver des vases? Mais Seigneur, tu vois pas que les vases là sont sales? Mais Seigneur, on n'a pas le temps. Seigneur, il n'y a pas de gens pour prendre des vases. Bien-aimés, ils n'ont pas posé des questions. Frères et sœurs, quand tu viens en Jésus, quand tu veux que Dieu puisse travailler dans ta vie, bien-aimé, ne pose pas des questions. Obéis simplement à la voix de Christ. Obéis simplement à la voix de Dieu. Amen. Et Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ton caractère. Dieu va changer ta vie. Alléluia. Ta vie qui était une vie ordinaire, ça sera maintenant une vie extraordinaire. La vie qui était chaotique, Dieu va changer cette vie-là afin que tu puisses te donner une vie extraordinaire. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur, car tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a disposé une transformation, un changement dans ta vie. Dieu veut changer les données. Dieu veut changer ta vie ce matin. Dieu veut enlever le pleur. Dieu veut enlever l'angoisse. Dieu veut enlever le mari des nuits. Dieu veut enlever la femme des nuits. Dieu veut enlever tous les blocages possibles de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce mariage, ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus, alléluia, de vin. Le gens avaient soif de pouvoir boire, mais ils ne pouvaient pas boire parce qu'il n'y avait plus de vin. Alors Jésus-Christ va ordonner. Lorsque l'heure était venue, Jésus-Christ a
avait ordonné afin que qu'on puisse remplir ces vases. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ta journée sera remplie ce matin par la puissance de Dieu. Ta journée sera comblée ce matin par l'onction de la pluie. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi te dire ce matin, Jésus-Christ a décidé ce matin de te remplir, de remplir ton cœur par la joie, de remplir ton cœur par une bonne nouvelle, de remplir ton cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, par une nouvelle annonce. Frères et sœurs, quand on a ramené, oh mes bien-aimés, les vases dans la salle de fête, l'ordonnateur, quand il a regardé, il était dans la joie. Il était dans la joie. Il pose même la question, mais pourquoi vous avez tardé? Pourquoi vous n'avez pas ramené de bon vin avant? Là maintenant, on sent maintenant qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ensemble, nous voulons prier le Seigneur. C'est possible avec Dieu. Frères et sœurs, ne faut pas penser que non, je vais faire la prière, je vais faire au moins 15 sujets de prière. Je vais faire maintenant 25 prières de sujets de prière. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il suffit simplement que tu crois dans ton cœur. Il suffit simplement que tu puisses bénéficier, c'est-à-dire accepter cette parole dans ta vie. Ça va changer tout dans ta vie. Ça va changer ton paradigme. Ça va changer ton orientation. Ça va changer ta conception. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Une seule phrase suffit, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, le centenaire dira simplement, dis simplement un seul mot. Dis simplement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ce matin, Jésus-Christ a adressé une parole. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez ces d'eau ces vases. Ils ont rempli cela, bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir rempli cela, frères et sœurs, l'eau des vins, alléluia, du vin. Alléluia, l'eau des vins, du vin, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire la parole de Christ a une grande efficacité. Ce matin, si tu crois, ce n'est pas le pasteur qui est en train de parler, mais Dieu utilise la bouche du pasteur pour pouvoir parler à toi, pour pouvoir parler à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons toujours comprendre que Dieu travaille toujours avec des hommes. Amen, Dieu travaille toujours avec des hommes. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous, frères et sœurs, vous êtes en train de parcourir un chemin. En cours de chemin, et vous allez voir maintenant, il y a un cheval qui apparaît. Un cheval qui apparaît et le cheval commence à vous parler. Je crois que vous allez fuir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas fuir. Tu ne vas pas rester là. Tu vas dire non, 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 ça c'est un fantôme. Je dois fuir. C'est-à-dire, tu vas prendre tangente. Frères et sœurs, il peut y avoir aussi, dans ta marche de tous les jours, tu marches, tu vas aller peut-être au travail, soit tu peux aller aussi au magasin ou dans la ville, et pendant que tu partais, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vois un oiseau qui vient devant toi, et l'oiseau commence à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que tu vas fuir, il va commencer à parler en français. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas fuir, tu vas dire non, ça c'est un esprit. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire même au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Satan, je te chasse. Alléluia. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, au fait, tu n'arrives pas à comprendre que non, Dieu peut aussi utiliser l'oiseau. Dieu peut aussi utiliser n'importe quel objet pour travailler. Mais Dieu, par son amour, il ne veut pas que tu sois embrouillé. Il ne veut pas que tu sois dans le perdument. Il ne veut pas que tu sois tourmenté. C'est pour cela qu'il travaille tout simplement avec des hommes. Il vient, il te parle au travers des hommes, n'est-ce pas? Ah, mais bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia, j'acclame le Seigneur pour ça. Voilà, voyez-vous, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ne croyez pas que non, voilà, à moi je sais que Dieu va me parler au travers des songes. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Amen. Alors ce matin, Dieu veut transformer ta situation, Dieu veut changer ton pleur en joie. Au nom de Jésus. Alors, c'est ce que nous allons demander, c'est ce que nous allons prier ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite, comme il est dit dans sa parole. Alors, tous ensemble, tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas maintenant prier le Seigneur au nom de Jésus. Tu vas dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire ce matin, Seigneur Jésus, ordonne ce matin que ma vie puisse changer.
Ordonne ce matin que mon caractère puisse changer. Ordonne ce matin que ma famille puisse changer. Ordonne ce matin que mon foyer, mon couple puisse changer. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin qu'il ordonne maintenant que ta vie puisse changer dans le nom de Jésus? La transformation, bien-aimée dans le Seigneur. Oh, frères et sœurs, l'eau qui était simplement l'eau est devenue du vin. L'eau qui était vraiment, oh, bien-aimée dans le Seigneur. Voyez-vous, quand tu réalises, c'est, au fait, nous voyons que Dieu au-delà de la science, Dieu au-delà, mais bien-aimée dans le Seigneur, de savants, Dieu au-delà, mais bien-aimée dans le Seigneur, des scientifiques. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, tendre Père, alors que nous venons devant toi ce matin, alors que nous nous approchons, oh Dieu de gloire, du trône de gloire, ce matin, Seigneur, je veux que tu transformes ma vie. Transforme ma vie ce matin. Je te prie ce matin comme tu l'as fait, oh, dans la fête des Cana. Je te prie ce matin, et oh, l'eau, le vin ayant manqué, mais tu as voulu travailler. Tu as voulu ordonner simplement. Oh, ordonne ce matin. Ordonne ce matin dans ma vie. Que ma vie change. Que mon cœur change. Que ma situation change. Par la puissance de ta parole. Je te prie, tendre Père, le Dieu puissant Seigneur. Viens changer maintenant. Viens changer mon comportement. Viens changer ma vie. Je veux maintenant la transformation ce matin. La transformation ce matin. Oh, ordonne ce matin qu'il y ait un changement. Ordonne ce matin qu'il y ait une transformation radicale dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Oui, tendre Père, je te prie ce matin, la maman machatale kalamacheta la bababache, au nom puissant de Jésus. Je veux ce matin que tu ordonnes ce matin. Ordonne à cette situation. Ordonne à ces problèmes. Ordonne maintenant dans ma vie ce matin que ça change maintenant. Au nom de Jésus. Oh, je veux maintenant, Seigneur, oh Dieu, là où il y avait la perte, mais que cela soit maintenant le gain. Le gain s'installe dans les noms puissants de Jésus. Oh, je te prie ce matin, dresse une parole. Dresse une parole ce matin. Dresse une parole de la transformation. Dresse une parole du changement. Dresse une parole de miracle. Dresse une parole de bénéfice. Dresse une parole de guérison ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, ce matin, je me confie à toi. Seigneur, oh Dieu, la Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancellent point, mais elles sont affermies. Malabrakaba sata. Les brocoseta la machete. Les kalamachi al. Au nom puissant de Jésus, je te prie ce matin, je te prie ce matin, ordonne ce matin, dis un mot ce matin, le mot de la transformation, le mot de changement dans ma vie ce matin, dans mon couple ce matin, dans mon attitude ce matin, dans mon désir ce matin, dans mon vouloir ce matin, au nom puissant de Jésus, d'un maintenant et à jamais, ordonne ce matin que ma vie change, que mon caractère change, que ma maison change, que ma maison soit la maison de paix. La maison de paix ce matin, la maison de joie ce matin, la maison de miracles ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je viens ce matin. Tendre Père, je m'abandonne à toi ce matin. Je veux qu'il y ait un changement. Je veux qu'il y ait un changement ce matin. La transformation, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, soit manifeste dans tous les niveaux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans chaque domaine, dans le domaine de santé, dans le domaine, Seigneur de gloire, de la guérison, dans le domaine, Seigneur de gloire, Père, des problèmes, dans le nom puissant de Jésus, d'un maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons encore prier ce matin, frères et sœurs. La Bible déclare, frères et sœurs, quand l'ordonnateur du repas
ayant goûté simplement, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'eau, cette eau-là qu'on lui a donnée, l'eau est changée en vin. Lui n'a pas goûté l'eau, mais il a goûté le vin. Il sentait le goût du vin. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, tu vas demander à Dieu, Dieu change le goût dans ma vie. Change mon goût maintenant dans les noms de Jésus. Que ton goût soit changé, que ton goût soit changé. C'est que les habitudes soient écartées dans ta vie, dans les noms de Jésus. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, change mon goût ce matin. Change mon goût ce matin et que mon goût soit changé dans les noms de Jésus. Dieu est capable de changer le goût. Dieu est capable de changer le goût. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, commence à prier ce matin. Oui, tendre Père, alors que je me tiens dans la porte du matin, je te prie dans les noms de Jésus de changer maintenant le goût. De changer le goût, Seigneur, de gloire dans ma bouche. Change le goût dans ma bouche ce matin et que je puisse, Seigneur, de gloire, goûter, Seigneur, de gloire, Père, à la guérison et que je puisse goûter, Seigneur, de gloire, Père, à la bénédiction. Que je puisse goûter maintenant, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, au bonheur. Que je puisse goûter, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, à la richesse. Que je puisse goûter, Seigneur de gloire, Père, à la bénédiction, Seigneur, à ta gloire. Change mon goût ce matin. Je vais goûter, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, la guérison dans ma vie. Je vais goûter ce matin, Seigneur, ô Dieu de gloire, le bonheur dans ma vie. Je vais goûter ce matin, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, Père éternel, la richesse. Ô Dieu de gloire, laisse-moi goûter ce matin, Seigneur de gloire, Père, le goût de la richesse, le goût de la guérison ce matin, le goût, Seigneur de gloire, Père, dans ma vie, le goût du gain ce matin, dans les noms de Jésus. C'est possible, Seigneur, que tu changes mon goût ce matin, Seigneur, que Seigneur de gloire, que je puisse goûter, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, à ta puissance, gloire, dans les noms de Jésus. Viens changer mon goût ce matin, viens changer mon goût ce matin, dans les noms de Jésus, que mon goût soit changé ce matin, que mon goût soit changé ce matin, Seigneur, dans les noms de Jésus, change mon goût ce matin, Seigneur, lorsque Seigneur de gloire, Père, je vais goûter, Seigneur de gloire, Père, à la parole, Seigneur de gloire, que cette parole devienne, Seigneur, la nourriture pour ma santé, la nourriture pour mon corps, dans les noms de Jésus, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oui, ce matin, Seigneur, je veux goûter ta parole. Ce matin, Seigneur, je veux goûter, Seigneur de gloire, Père, ton éternité. Ce matin, Seigneur, je veux goûter, Seigneur de gloire, Père, à ta visitation ce matin. Je veux goûter ton repas ce matin, dans les noms de Jésus. Mon Père, mon Dieu, me voici ce matin. Fais en sorte que mes enfants, que mon entourage, que ma famille puissent goûter ce matin, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ama kalabashata, ô lobo se teroboshi. Alléluia. Que ce goût, Seigneur de gloire, Père, se transforme, Seigneur de gloire, Père, en goût de la richesse, en goût de gloire, en goût, Seigneur de gloire, Père, extraordinaire. D'un maintenant et à jamais, change le goût ce matin. Change le goût ce matin. Mon Dieu, je t'en prie. Mon Dieu, je t'en supplie ce matin. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas dans le goût archaïque. Mais je veux que mon goût soit changé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Alléluia. Oh, tu vas dire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, cet homme a dit, pourquoi vous avez servi, alléluia, d'abord le mauvais vin. D'abord, on sert d'abord le bon vin. Alléluia, tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, sers-moi ce matin le bon vin. Sers-moi ce matin la bonne nourriture. Sers-moi ce matin. Sers-moi ce matin. Je veux que tu me sers ce matin. En premier lieu, alléluia, le bon vin. En premier lieu, bien-aimé, quand je parle de vin, cela peut être la guérison. Cela peut être aussi, mais bien-aimé dans le Seigneur,
Oh, la vie Zoé, la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ce matin? Que Dieu te sert. Que Dieu te sert ce matin. Que Dieu te donne, alléluia, un bon repas ce matin. Que Dieu te donne une bonne nouvelle ce matin. Que Dieu puisse combler ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Que Dieu te sert ce matin la bonne nouvelle. Que Dieu te sert un bon menu ce matin. Que Dieu te donne ce matin le bon, alléluia, le meilleur de sa maison, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Oui, tendre Père, mais voici ce matin. Mais voici ce matin, je t'en prie, mon Dieu, mon roi, ce matin, je veux que tu puisses, Seigneur de gloire, nous servir. Serre-nous ce matin, Seigneur, ton menu. Serre-nous ce matin, alléluia, ton repas divin. Ton repas divin ce matin, dans le nom de Jésus. Oh, tendre Père, mon Dieu, mais voici ce matin, Seigneur, serre-nous ce matin, Seigneur de gloire. D'abord, Seigneur de gloire, Père, nous voulons être servis par toi. Avant que nous soyons servis par des hommes, nous voulons d'abord être servis par toi, le Dieu véritable. Serre-nous d'abord, Seigneur de gloire, Père, ainsi dit l'Éternel. Serre-nous d'abord, Seigneur de gloire, ce qui nous convient. Serre-nous d'abord, Seigneur de gloire, Père, ce qui nous manque. Malabraba sataleka, lebroko satale machetelebosia, dans les noms puissants de Jésus. Oui, tendre Père, je te prie ce matin de servir, Seigneur de gloire, à tes enfants, de servir, Seigneur de gloire, mes enfants. Sers-toi, Seigneur, de nous ce matin. Sers-toi de nous ce matin, Seigneur. Oh, nous te prions ce matin. Nous voulons, Seigneur de gloire, ton service. Nous voulons ton service ce matin, Seigneur, dans notre journée, Seigneur, avant que nous puissions accepter les services des autres. Nous voulons d'abord, prions d'abord ton service en Dieu en premier lieu. Sers-toi de nous ce matin. Oh Dieu de gloire, sers-nous encore ce matin. Sers-nous ce matin, Seigneur. Oh Dieu, le repas divin, le repas de Dieu, le bon vin, Seigneur de gloire, dans cette journée, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Tendre Père, nous voici devant toi. Mama chale, bo satale, kamale, libro sotolobo, chetere, masata, le calabro satale, machikele, bosia. Dans les noms puissants de Jésus, nous voulons que ton peuple soit servi par toi. Nous voulons que ton peuple soit servi par toi, Saint-Esprit de Dieu, le Dieu puissant. Oh, serre-nous ce matin et que nous soyons capables de dire, oh, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, nous sommes comblés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans cette histoire, la Bible déclare que c'est le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, fut à Cana. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu ce matin, frères et sœurs, tu peux être transformé par un miracle. Le miracle de la journée, le premier miracle de la journée, sœur, ça tombe dans ta maison. Tu vas dire, mon père, je veux que le premier miracle de la journée, ça tombe dans ma famille, ça tombe dans ma maison, ça tombe dans ma route, ça tombe sur mon chemin. Est-ce que tu peux demander le premier miracle de la journée? Au nom de Jésus, puisse tomber dans ta vie, puisse tomber dans ta marche ce matin, puisse tomber dans ton foyer ce matin, le premier miracle de la journée, que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, tendre Père, toi qui fais, Seigneur de gloire, grâce, Seigneur, aux humbles, toi qui fais grâce aux humbles ce matin, nous te prions, Seigneur, nous voulons le premier miracle de la journée. Tombe dans nos familles, le premier miracle de la journée. Tombe, Seigneur de gloire, Père, dans ma maison, le premier miracle de la journée. Tombe, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, dans mon parcours, dans les noms de Jésus. Je te prie ce matin, le premier miracle de la journée, que cela puisse tomber, Seigneur de gloire, Père, dans ma femme, dans mon foyer, dans mon attitude, dans mon cœur ce matin, dans les noms de Jésus. Ah, je vais raconter le premier miracle de la journée.
Je désire ce matin, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, puisse, Seigneur, ô Dieu de gloire, subir ce matin le premier miracle de la journée, dans leur vie ce matin, dans leur marche ce matin, dans leur journée, dans le nom de Jésus. Entendre paix, entendre le prière de tes enfants, Seigneur. Tu as dit jusqu'ici, mes enfants, vous n'avez rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. C'est pour cela que nous demandons ce matin le miracle, le premier miracle de la journée. Cela tombe sur nos vies. Le premier miracle de la journée tombe dans nos assiettes ce matin. Le premier miracle de la journée tombe dans nos vases ce matin. Le premier miracle de la journée tombe dans nos assiettes ce matin. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Tendre Père, nous voici ce matin. Nous voulons que le premier miracle de la journée puisse tomber maintenant, Seigneur, dans nos assiettes, dans les noms de Jésus. Oh, je te prie ce matin, le premier miracle de la journée, et que cela puisse tomber dans mon assiette, et que le premier miracle de la journée puisse tomber dans mes vases ce matin. La mama chata, les calabrabos, au nom puissant de Jésus, je veux le premier miracle de la journée puisse tomber maintenant, Seigneur, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. C'est possible, Seigneur, de gloire, paix, à celui qui croit. C'est possible, Seigneur, de gloire, paix, c'est lui qui admire ta parole, c'est lui qui observe ta parole, Seigneur, c'est possible. Je te prie ce matin, Seigneur, que le premier miracle de la journée puisse tomber maintenant, Seigneur, dans ma maison, sur mes enfants spirituels, sur mes enfants biologiques, au nom puissant de Jésus. Mama chalega malama shekerebosa. Ah, je te prie ce matin, mon Dieu puissant, oh Dieu de gloire, fais tomber le premier miracle de la journée, dans cette journée que je puisse bénéficier, oh alléluia, de ce miracle inattendu, de ce miracle surprise, au nom puissant de Jésus, de ce miracle inhabituel, au nom puissant de Jésus. Mama chale kalebrosata, le mama shekerebosia, dans le nom de Jésus, le miracle de la transformation, le miracle de la transformation, le miracle qui change, le miracle qui transforme, le miracle qui ramène la réjouissance, le miracle qui ramène le remerciement, le miracle qui ramène, oh, la contemplation. Malabrabosa kalewa, les mamas shekerebosia, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une seule chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si dans cette fête de Cana, si on n'avait pas invité Jésus, je pense que la fête allait terminer mal. Frères et sœurs, alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas appeler celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le faiseur de miracles, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ le roi de gloire, Jésus-Christ le chemin, la vie, la vérité. Tu vas appeler Jésus-Christ dans ta vie ce matin, dans cette journée. Tu vas dire, Jésus-Christ, maintenant toi-même je t'appelle, toi-même je t'appelle, je veux ta présence dans ma vie, je veux ta présence dans ma journée, je veux ta présence dans ma maison. Jésus-Christ, je t'appelle ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a été invité. Hein? Jésus-Christ a été invité dans ces fêtes-là. Lorsqu'il était invité, bien-aimé dans le Seigneur, allez, oh, ça a changé la donne. Ça a changé toute situation. Ça a transformé le mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux inviter maintenant. Invite Jésus dans ta marche ce matin. Invite Jésus dans ton foyer ce matin. Invite Jésus dans cette journée ce matin. Jésus-Christ, je t'invite ce matin. Tu es mon invité ce matin. Mon invité d'honneur. Tu es mon invité d'honneur ce matin. Tu es mon invité d'honneur dans mon cœur, dans ma maison, dans mon être, dans ma conscience, dans mes pensées. Ma rabasatale kalamachete libosia. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite. Tu es mon invité dans cette journée, mon invité ce matin dans mon corps, afin que je sois transformé, afin que je sois guidé,
afin que je sois dans une bonne position, dans une bonne marche, au nom puissant de Jésus. Oui, Jésus-Christ est de Nazareth. Jésus-Christ est de Nazareth. Tu es mon premier invité ce matin. Tu es mon invité d'honneur. Tu es mon invité d'honneur. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans mon foyer. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans la vie de mes enfants. Je t'invite dans la vie de mes enfants spirituels. Je t'invite ce matin. Tu es, oh, l'invité d'honneur. L'invité d'honneur, c'est toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est ma capacité. Je t'invite ce matin à prendre place dans mon cœur, à prendre place dans mon corps, à prendre place dans ma maison. Habite dans mon cœur ce matin. Assieds-toi. Demeure avec nous ce matin. Marche avec nous ce matin. Jésus-Christ, tu es l'invité d'honneur. L'invité d'honneur ce matin. Lorsque tu es là, oh, je suis béni. Lorsque tu es là, je suis comblé des faveurs. Lorsque tu es là, tu changes tout. Lorsque tu es là, tu ramènes ce qui n'existait pas à l'existence. Lorsque tu es là, tu combles ma vie. Ma la braba saka lebro seta. Ma lebro bo chete lebo siya. Dans les noms puissants de Jésus. Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Je t'invite. Tu es mon invité d'honneur. L'invité d'honneur de la journée. L'invité d'honneur du matin. L'invité d'honneur de mon cœur. L'invité d'honneur de ma vie ce matin. La mamama para la bachete. Le kala mamama shekerebosia. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Jésus-Christ est de Nazareth. Jésus-Christ est de Nazareth. Tu es mon invité ce matin. Tu es mon invité ce matin. Prends le contrôle de la journée. Prends le contrôle de la journée ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de la journée ce matin. Tu es mon invité d'honneur. Tu es mon invité d'honneur. Dans cette journée, tu es mon invité d'honneur. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit béni ce matin. Alléluia. Oh, tu vas dire à Dieu ce matin. Tu vas dire au Seigneur Jésus ce matin. Couvre ma vie par ta gloire. Couvre ma vie par ta gloire. Couvre mes enfants par ta gloire. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, oh, à Cana, en Galilée, le premier miracle de Jésus, alléluia, qui s'est manifesté. Au fait, et sa gloire s'est manifestée. Et tout le monde ont crié à lui. Tout le monde était dans la joie de voir ces miracles. Pour la première fois, ils voient ces miracles. Ils étaient étonnés. Ah, mais bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, tu vas dire à Jésus ce matin, étonne-moi dans cette journée. Étonne-moi ce matin. Que tu sois étonné. L'étonnement de Dieu. L'étonnement de Dieu dans ma vie. L'étonnement de Dieu dans ton travail. L'étonnement de Dieu. Que Dieu t'étonne ce matin. Pour tes enfants, Dieu t'étonne ce matin. Au nom de Jésus. Pour ta santé, que Dieu t'étonne ce matin, maman, chez Télébosa. Ah, tendre Père, voici donc, Seigneur, ma requête ce matin. Je veux que tu m'étonnes. Étonne-moi ce matin. Étonne-moi ce matin par des prodiges. Étonne-moi ce matin, Seigneur, au Dieu de gloire, par des signes. Étonne-moi ce matin, Seigneur de gloire, Père, par le surnaturel. Étonne-moi ce matin par des choses qui n'existaient pas à l'existence, afin que cela puisse exister. Étonne ma vie ce matin. Étonne mon cœur ce matin. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, je te prie ce matin de m'étonner ce matin. Étonne, Seigneur, la personne qui traverse des moments difficiles. Étonne, Seigneur, de gloire, Père, ceux-là, Seigneur, qui en ont besoin. Oh Dieu, l'étonnement de Dieu. L'étonnement de Dieu dans ma maison. Que je sois étonné. Ah, c'est qui a fait ça? C'est Dieu. Ah, que c'est qui a réalisé ça? C'est Dieu. Au nom puissant de Jésus, l'étonnement de Dieu. L'étonnement de Dieu dans ma maison. L'étonnement de Dieu dans mon corps. L'étonnement de Dieu dans ma façon d'agir. L'étonnement de Dieu dans mon expression, dans mon langage. Moi qui étais colérique, oh, il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de colère dans ma bouche. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de mauvaises paroles. L'étonnement de Dieu. Je désire ce matin que je sois étonné. Que je sois étonné par la puissance de Dieu ce matin. Étonne mon foyer. Étonne mon cœur ce matin. La mama chatalera. L'époco satale male broché. Au nom puissant de Jésus. Que tous ensemble nous soyons étonnés. Étonnés par
par ton esprit, étonné par ta manière d'agir, étonné par le surnaturel, étonné par tes surprises. Oh, inattendu, malabrabo sakalabaché. Au nom puissant de Jésus, l'étonnement de Dieu, l'étonnement de Dieu dans le nom de Jésus, l'étonnement de Dieu ce matin s'opère d'un maintenant et à jamais. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Ah, nous voulons ton étonnement ce matin. L'étonnement de Dieu ce matin s'opère dans les noms de Jésus. Étonne-nous ce matin. Étonne-nous ce matin, mon Père. Étonne ma famille ce matin. Étonne mes frères et sœurs. Étonne ton peuple ce matin. L'étonnement de Dieu. Nous voulons être étonnés. Qui a fait cela? C'est Dieu. Qui a réalisé cela? C'est Dieu. Non. Et puis nous allons dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est possible avec Dieu. Oui, c'est possible avec Dieu. Viens, Seigneur de gloire, Père, impose, Seigneur, ta parole possible. Impose ta parole qui est possible, Seigneur, dans chaque cas, Seigneur, dans les noms de Jésus. Nous voulons ce matin, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, que, Seigneur, oh Dieu, nous soyons, Seigneur, étonnés. Étonne-nous ce matin. Étonne-nous ce matin. Étonne ma famille ce matin. Étonne ton peuple ce matin dans les noms de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Rends merci à Dieu. Rends merci à Dieu ce matin pour sa visite. Rends merci à Dieu pour sa transformation. Rends merci à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes fidèles dans de petites choses, Dieu va nous confier des grandes choses. Est-ce que tu peux prier ce matin et remercier le Seigneur? Remercier le Seigneur pour ses taux de vie. Remercier le Seigneur parce que l'Éternel Dieu est passé dans ton cœur. Le Seigneur Jésus est passé dans ta vie. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Oui, tendre Père, merci. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main puissante. Merci, Seigneur, pour la transformation. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour l'exploit dans ma vie. Merci, Seigneur, oh Dieu, Père, pour le miracle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le prodige dans mon cœur. Je te loue, je te bénis ce matin dans les noms de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Tendre Père, je viens, Seigneur de gloire, recommander, Seigneur, cette journée. Je viens bénir tes enfants ce matin. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi, parce que nous savons, Seigneur de gloire, Père, nous avons des témoignages à témoigner. Nous avons, Seigneur de gloire, Père, au-delà des choses à témoigner, car tu as manifesté, car tu fais des grandes choses dans nos vies. Tendre Père, nous te disons, Seigneur de gloire, dans cette journée, Seigneur, que le manquement ne soit pas dans notre journée. Au nom puissant de Jésus, que nous puissions bénéficier de l'abondance, de la pluie, de la multiplication, de la faveur, de la récolte ce matin. Que ton peuple puisse se retrouver, Seigneur de gloire, Père, et que ton peuple soit ravitaillé ce matin. Que ton peuple puisse pêcher des poissons en grande quantité parce que tu es là, parce que tu ordonnes, Seigneur. Père éternel, bénis cette journée, bénis mes frères et sœurs. Je recommande, Seigneur, leur vie entre tes saintes mains. Je recommande, Seigneur, leur situation. Je recommande leur foyer. Je recommande, Seigneur, leurs vacances. Je recommande leur départ de vacances. Je recommande leur voyage. Je recommande leurs anniversaires. Au nom de Jésus, ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, que tu puisses allumer encore une bougie, Seigneur de gloire, Père de faveur, une bougie de faveur dans leur vie, Seigneur, ça s'allume au nom de Jésus. Oh Père, je te prie ce matin, manifeste-toi au nom suprême de Jésus, à celui qui peut nous préserver de toutes chutes. Jésus-Christ le Seigneur vous préserve de tout mal, oh qui vous garde au nom de Jésus. Soyez bénis puissamment, soyez bénis qu'abondamment, soyez bénis richement, soyez bénis grandiosement, soyez bénis glorieusement, soyez bénis au-delà de la grandeur. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment merveilleux et nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. Nous bénissons le Seigneur pour sa main puissante dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour le miracle de la journée. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors ne partez pas si vite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons donner nos offrandes. Nous voulons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Soyons comme le Samaritain. Le Samaritain qui a regardé qu'il était guéri. Il est retourné à ses pas. Il est venu voir vers Jésus pour dire, « Oh, merci Seigneur Jésus. » Alléluia. Et Jésus-Christ pourra poser la question, « Où sont-ils les 9 autres ?» Alléluia. Les 9 autres sont-ils pas guéris comme toi ? Alléluia. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, avant de quitter, aimez la vidéo, c'est ça votre offrande. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, bien aimé dans le Seigneur, et que la paix du Seigneur demeure dans votre vie. Si vous êtes là pour la toute première fois, mettez votre pays et mettez le chiffre 1 à côté, afin que nous puissions vous identifier. Et nous vous saluons déjà dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue dans cette plateforme de la tour de prière Semeur. Nous sommes là du lundi jusqu'au vendredi. Tous les matins, nous sommes là en train de demander la faveur de Dieu, en train de recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Ce qui s'est confié à l'Éternel ne sont pas confus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, tous les matins, nous sommes là pour confier notre journée, confier notre vie entre les mains du Seigneur. Avant de quitter, mettez encore un petit j'aime. Alléluia. Et Dieu vous fera beaucoup du bien. Soyez bénis, si vous êtes là pour la toute première fois, je vous salue dans le nom de Jésus, que Dieu vous garde, que Dieu puisse se manifester dans votre vie, afin que vous puissiez vivre le miracle de Christ. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, donc nous aurons la pépéresse à midi avec la prophétesse, et le soir, nous avons notre intercession générale. Amen. Lucien, à partir du Gabon, soit béni ce matin. Merci encore pour votre passage. Que le Seigneur vous bénisse. Lydie, à partir de la France, que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, et je vous souhaite une excellente journée glorieuse par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Fanny, à partir de Rodrigue. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, à très bientôt. Shalom, shalom. Viviane, à partir du Gabon, que le Seigneur vous bénisse le Gabon, que la lumière puisse éclairer le Gabon au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, à très bientôt. Soyez bénis. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Maman Agnès, j'espère que tu es de retour, hein. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et toute langue confesse au nom de Jésus, que Jésus-Christ est Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu le Père. Au nom de Christ. Nous sommes sauvés. Ah oui, nous sommes sauvés. Son sang versé. Alléluia. Son sang versé nous a rachetés. Jésus, les démons sont terrassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous retrouvons le sourire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Je suis libre, délivré, restauré, changé, aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.